Iggy. C'est difficile à tirer ça. Attention après. Bah, si on lui donne un os. À la maison, ça va. Comment vous faites justement quand il fait ça? Alors, quand il fait parce ça. Parce que là, c'est bizarre, vous me dites qu'il le fait le soir, mais là, on est voilà, en journée. Voilà, il en fait, ouais, c'est ouais. Vrai. À la maison, on fait, il fait rarement dans la journée. Ben, ça peut arriver. Par exemple, il va faire le matin, parce qu'il fait encore sombre, il y a des lumières qui viennent du salle de bain. Mais là, vous voyez ici, les lumières. Il fait grand soleil, hein. Ouais. Alors parfois il y a des lumières quand même, et parfois il va faire à la maison, mais moins de la journée, il est plutôt calme dans la journée. Mais normalement on lui donne un os si c'est le soir, mais je ne vais pas donner chaque fois un os. Alors il va avoir un, j'ai trouvé un truc très efficace, spécialement c'était votre vétérinaire qui a trouvé des trucs vraiment bien durs à lui donner, ça le fait bien. Ou sinon, j'ai joué avec lui. Surtout le soir, j'essaie de prendre un peu de temps. Alors là, on joue au bal et tout ça. Et puis là, il est occupé, il ne pense plus à ça. Mais quand nous, on se prépare le matin, on n'a pas de temps à forcément jouer. Moi, je joue un peu, mais après, quand on est dans la salle de bain en train de faire les choses, lui, il est à la sortie, sur les escaliers, il voit les lumières sur les murs. Il n'y a rien à faire. Il est complètement dingue. À chaque fois, on sort de la salle de bain, il est là en train d'attaquer le mur. Et on dit, oh, Iggy, arrête. Et on a du mal à l'arrêter à ce moment-là. Et puis chaque fois que le frigo, il vient. À chaque fois, on ouvre le frigo, il vient. Alors il y a aussi le truc pour aspirer. C'est un jeune tortureau qui était dans le jardin. Il n'avait pas volé encore, il a chopé dans la gueule. C'est un bout d'un jour, la pauvre. Alors qu'est-ce que vous avez essayé donc pour solutionner ça parce que c'est la distraction. J'ai une question à vous poser qui va peut-être vous paraître surprenante. Vous m'avez dit que ça avait commencé à l'âge de 6 mois. Je pense que c'était 6 mois. Aujourd'hui, il a un an et demi, on est d'accord. Donc depuis un an que ça évolue, vous avez dû essayer des choses parce que c'est agaçant. Bah déjà, on a vu certaines lumières, alors on les éteint le soir. Moi je dis aux enfants, il faut qu'on l'occupe le soir, ça on fait. Je trouve qu'on gère pas mal, mais ça a évolué. Avant, c'était pas les lumières du salle de bain, il faisait pas ça, c'était juste dans le salon. Alors là, en fait, il y a juste certaines lumières allumées dans le salon et ça ne le dérange pas. Et comme on l'a vu, ça n'a rien fait. Yeah, you should have said about the thing where we went to the circus and then in my room.